Chérie, tu peux aller fermer la porte qui claque à cause du vent? Papa. Oui? Pourquoi il est au vent? C'est de la physique, ça. C'est une histoire de molécules d'air qui bougent à cause de la température. Tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois? On a vu que les molécules d'air, quand il fait chaud, elles bougent davantage que quand il fait froid. Plus il fait chaud, plus elles bougent. Plus il fait froid, moins elles bougent. Si à un endroit il fait plus chaud qu'à un autre, alors on va avoir différentes agitations. Tant qu'il y a quelque chose de dur pour séparer les deux paquets de molécules à différentes températures, il se passe rien. En fait, il se passe des choses, mais c'est un peu trop compliqué là à t'expliquer comme ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a des histoires de conduction, etc. On va pas rentrer dans le détail. Revenons au vent. Si on permet à deux paquets de molécules de se rencontrer, par exemple en ouvrant la porte, alors les molécules agitées, elles vont aller vite vers celles qui sont moins agitées. En fait, elles vont chercher à se mélanger et à s'équilibrer. Et quand les molécules d'air bougent, quand elles se déplacent, ça fait du vent. C'est ce qui permet de faire tourner, par exemple, les moulins. Petit moulin, c'est un projet. Exactement, t'es un génie. Et plus les températures sont différentes, plus l'air va aller vite. En fait, plus l'équilibre va vouloir se faire de façon brutale. Et le vent, il sera donc de plus en plus fort. Mais aussi, plus l'ouverture est petite, plus l'air va s'engouffrer dans cette ouverture et donner cette sensation de vent encore plus fort, puisque le débit va augmenter. Et c'est ça qui fait claquer la porte. Parce qu'en fait, du coup, d'un côté de la porte, on va avoir un air chaud qui est très agité, de l'autre, on a un air plus froid qui est moins agité. On a du vent qui se crée pour pouvoir faire l'équilibre entre les deux. Et donc, du coup, eh bien, ça fait bouger la porte et ça la fait claquer. T'as compris? Oui, papa. Super. Tu peux aller fermer la porte quand je t'ai demandé, s'il te plaît? Et après, on va s'habiller parce qu'on va pas rester tout nu dans le courant d'air. Donc voilà pour ce petit épisode. Si toi qui regardes la vidéo, tu as d'autres questions comme celle de mon fils, pose-la dans les commentaires et je verrai ce que je peux pour toi. En attendant, tu peux toujours t'abonner, mettre un pouce bleu, ça coûte rien, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode.